Salut les gars, c'est Manny, deuxième essai du T-Magic 7-4S. Alors effectivement le cerveau qui est donc le même que dans le Buggy 1/8 avec cette direction modifiée, on n'en a pas parlé, en fait il galère pas du tout. Il y a même que la direction est vraiment mieux que sur le Buggy. Malgré plus qu'un kilo de plus. J'ai descendu la coupure à 3-2, t'es bien effectivement au max la dernière fois 3-4. Voir ce que ça donne. Enfin, on a fait quand même des grandes distances. Vraiment super maniable, malgré qu'on ait le poids derrière. Hein. Premier tonneau de la machine, ça va. N'oubliez pas que j'avais un engin un peu plus lourd comme ça, de profiter de la roue libre. Hein. Que brushless, tu restes une seconde ou deux sur les gaz, pas plus, et après tu laisses filer. Ah, mais Monsieur Führer,
Qu'est-ce que vous faites là? Vous ici, je vous croyais aux zoo. Oh, hey, ça compte, c'est sur les roues. Et là, il y a le proprio qui est en train de râler. Ah, il est fou, c'est ma nouvelle machine. Qu'est-ce que tu fais avec? Et oui, celui-là aussi, il va s'en aller, les mecs. Bon, au moins, je l'ai rodé. Donc définitivement l'autre jour, hein, je pense que c'était la batterie parce que là maintenant il est rodé. Il a pris le narbre. Manu va rester concentré, hein. Bon, on va provoquer un peu, on va faire de la ligne droite à fond. J'ose pas imaginer avec les 2500 carrés, la vitesse là, par contre la conso, wow, elle doit s'envoler. Bien fait de mettre ce moteur en 74 dedans, parce que là on est bien. Oh, copain! Salut, copain!
Oula. Bah moi je suis jamais seul, on est plein dans ma tête. Ouais, je te fais gaffe avec le soleil, hein, les grandes lignes droites là. Ouais. Comme dit, tu restes une seconde ou deux sur les gaz, après tu laisses. Profite de la roue libre ici. T'y attendais pas celle-là. Hein. T'as changé quelque chose de suspension, diff? Suspension non, mais diff, diff 60 000 à l'avant, ouais. 500 000 au milieu, ouais. 20 000 à l'arrière. Ouais, nickel. Il est beau. Ouais. Et, pour l'instant, et les embases d'amorto pour l'instant encore les origines. Ça, c'est le seul truc que j'ai déjà changé sur plusieurs, c'est les. Justement les fourreaux, t'as les guides et les joints toriques. Oui. Alors ceux-là ils éclatent. Ce col triangle il recule trop en fait. Oui. Ils se font en deux. Et après c'est pour ça qu'il y a les options chaos là. Le plus simple c'est ouais, c'est directement sur scène. Avec les 8 dollars frais de port, t'en sors bien. C'est juste pour une petite pièce ou deux, tu vois. Oui. Ouais, faut... Enfin, quoi qu'à la fois, j'avais quand même fait un colis de 4 kg par là, ça, c'est resté à 8,2 là. D'ailleurs, si tu prends des roues après, une carreau, là c'est volumineux, après la douane aussi, tu passes quoi. Ouais, ça passe très bien. Bien géré, t'étais pas renversé. Ouais, tu regardes, les bosses sont piégeuses. Hein. Ouais. Elles ont ouais. Des angles où elles décollent super, et des fois t'as juste une petite ornière qui te fait monter les fesses et. Adios. Et l'endroit où ça saute bien c'est là, mais après c'est un peu tricky avec les voitures et l'élan en fait, c'est là. Ouais, ouais, ouais c'est ouais. Ça, c'est... Ouais, je pense que l'autre fois j'avais pas bien chargé à l'hypo, parce que là ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, les suspectes elles bossent bien du petit set là. Quand t'es dans l'herbe, tu vois, elles bossent bien quand même, tu vois. Il reste sable, t'es à l'aise. Hein. Ouais. Ça paraît un peu dur comme ça posé sur le comptoir, mais là, si tu fais la ligne droite à donf, là ça passe bien. Ça c'est l'avantage des anthrax longs justement. Là maintenant le buggy, tu décolles du cul, tu l'envoies catapulté en fait, tu vois, alors que là, tu vois, il passe. Tu vois. C'est pareil avec les MT. Ouais. Bah lui aussi, les suspensions d'origine sont bien souples. Hein. Oui. Juste après sur les gros terrains des fois c'est un peu piégeux parce que tu bascules de l'avant après. C'est dommage qu'on a si peu de temps. Là on a un petit peu de temps devant nous quand même, je crois qu'en fait ils partent contre moi. Ah ok. Ah tu peux les rejoindre après. Je vais un peu mon team. J'ai trop de mal à arriver encore là. Ouais, elle est, ouais c'est... il est assez brutal le pas de trim. Ouais, ouais. C'est plus simple des fois de mettre un petit demi-tour à la biellette. Hein. C'est soit un petit peu coup et trois à gauche, soit trois à droite. Hein. C'est ça. J'ai du mal à trouver le milieu. Hein. Enfin, si tu fais pas si mouliner les roues dans le sable, ça glisse de toute façon. Ah, mais c'est cool, hein, je vais pouvoir sortir le gros après. Parce que comme la batterie tu l'as fini, a décidé de durer plus que 10. Allez, coupure. On va checker la température, tout ça. Alors, nous en sommes... Ouais, 14 minutes. Mais ce coup-ci, 14 minutes en restant sur les gaz, l'autre fois on a papoté. L'hypo tiède. Donc l'hypo est tranquille. Hein. Moteur là, c'est sûr, de toute façon, ça va. Je mets encore les doigts à mes limites. Donc 65-70. Ce qui est pas mauvais pour le moteur en fait. Bon, 80, donc avec un petit radiateur, t'es pépère. J'ai fait un petit bisou à l'arbre, ça va. J'ai un petit peu d'écorce alsacienne. Ça, c'était le rebord avant là.
à manger un petit peu, tu vois. Un petit peu, ouais. Ça, c'est dommage qu'ils fassent pas un ski de complet en dessous, je trouve. Qui recouvre l'ensemble. Tu vois. Bon, ben, moi, je suis content avec, hein. Ça, c'est sûr.